Le sujet est stable, Shepard. Intégration réussie au système embarqué. Il peut voir quelque chose là-dedans? Il sait où il se trouve? Peu probable. Son activité neurologique actuelle indique un état cognitif minime. Sauf dysfonctionnement électrique généralisé, les nutriments de sa cuve peuvent le maintenir en vie pendant plus d'une année. T'as une idée du danger qu'il représente? C'est un Krogan, Shepard. Si vous me demandez s'il est activement hostile, je n'ai pas les données nécessaires pour vous répondre. La technologie du chef de guerre Okir pouvait transmettre des données, non des processus mentaux. Le sujet peut connaître son point de vue sans pour autant le partager. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce gaillard? Rien de particulier? Le sujet est un exemple exceptionnel de l'espèce Krogan, doté d'organes primaires, secondaires et, le cas échéant, tertiaires parfaitement formés. Aucune déficience, hormis les marqueurs génétiques du génophage présents chez tous les Krogan. Je ne suis pas en mesure d'évaluer les fonctions mentales. Attention, je vais ouvrir la cuve pour le laisser sortir. Le protocole de Cerberus est très clair vis-à-vis des technologies non humaines inconnues. Je ne tolère pas de dissension sur mon vaisseau, même de la part de mon vaisseau. Vas-y. Très bien, Shepard. Les commandes sont activées. En appuyant sur l'interrupteur, vous en assumez les conséquences. Que celle d'un Krogan. Avant de vous tuer, j'ai besoin d'un nom. Je suis le commandant Shepard et je réagis mal aux menaces. Un conseil, calmez-vous. Pas votre nom, le mien. J'ai reçu de l'instruction, une formation. Mais la cuve, Okir n'a pas pu implanter de lien. Ces mots sonnent creux. Chef de guerre, futur, héritage, Grunt. Tiens, un nom guttural dénué de sens, ça fera l'affaire. Je m'appelle Grunt. Si vous êtes digne de commander, prouvez-moi votre force, essayez de me vaincre. Vous ne préférez pas Okir ou Futur? Grunt est court, fidèle à mon sang. Les autres mots sont longs, ils ne me disent rien. À vous peut-être, pas à moi. Je ne ressens rien envers Okir, son clan ou ses ennemis. Je ferai ce que j'ai été créé pour faire, me battre et m'imposer. Mais il n'a pas su me faire à son image. Sans une raison de ma part, un combat en vaut un autre. Autant commencer avec vous. J'ai un bon vaisseau et mon équipage. Mon clan est fort. Joignez-vous à lui. Si vous êtes faible, et vos ennemis aussi, je devrais vous tuer. Nos ennemis sont puissants, aucun doute là-dessus. C'est acceptable. Je vais me battre pour vous. Vous avez bien fait de vous montrer raisonnable. Hein? Ah, vous me tendez un bras et vous armez l'autre. Bien dit, Shepard. Si je trouve un clan, si je trouve ce que je veux, je serai honoré de vous affronter à sa tête. Shepard! Qu'est-ce que vous pensez de l'équipage? Du bien s'ils ne se mettent pas en travers de ma route. Des meurtres, sinon. Ne les ménagez pas si vous voulez affronter les récolteurs. Certains de ces aliens sont trop lisses. Okir vous a donné des instructions sur les récolteurs? Je vois les vaisseaux flous, à la force incertaine. Rien qui permette d'exploiter une faille. Okir se consacrait entièrement aux haines ancestrales. Tout ce qu'il avait, il l'a investi pour me fabriquer.
qu'est-ce que vous pensez de notre mission ? Je me bats. Pour qui ? Ça, peu importe. Il y a quelque chose dans vos images qui peut nous servir à exploiter ces ressources ? Je peux peut-être bricoler quelque chose. Ça vaudra ce que ça vaudra. Shepard. Je passe juste voir si vous vous acclimatez. Les humains parlent trop, comme la cuve. Revenez plus tard. C'est tout pour l'instant. Shepard.